Salut tout le monde, salut les gens, c'est comment? Bienvenue sur Ovela. Youssa. Non, t'es con. Fallait dire Ovela, c'est comment? Ah, Ovela, c'est comment? Salut les gens, bienvenue sur Ovela. C'est comment? Alors, bon, pour ceux qui connaissent pas ce gars-là, ce gars qui ressemble à rien. Et eh ben c'est le petit frère de Ovela, prénommé Youssef. Voilà. Et quand je lui ai dit que j'avais ouvert une autre chaîne francophone, il m'a dit ça c'est plus intéressant parce que parce que je suis plus à l'aise en français. Vas-y, faut pas mentir aux gens, même. Faut pas. Et puis je lui ai dit sur cette chaîne je vais faire plus de contenu basket. Il m'a dit là on va en parler, faut que je vienne sur la chaîne et t'apprendre quelques petits trucs sur la NBA. Alors regarde quoi. Bon, aujourd'hui on va regarder une vidéo de mon joueur préféré, Derrick Rose, youngest MVP. Ouais. Le MVP le plus jeune de la NBA. Il a eu à quoi, 21 ans? Un truc comme ça, 2011. Ouais. C'est un truc de fou, mais. Ouais, il était jeune. Il a 30 ans maintenant. Ouais, mais depuis. Le temps passe, hein. Non, c'est normal. Mais bien sûr, depuis. Le gars a été blessé pendant genre 6 ans. Tu sais ? C'est normal. Mais ouais, c'est pour ça qu'on regarde les plays avant qu'il ne soit blessé. Mais c'est la renaissance. Il est revenu en force cette année. Donc, il est important de regarder une vidéo de Derrick Rose qui se nomme How Quickly They Forget. Derrick Rose greatest plays before the injuries. Avant qu'il se blesse. Voilà. Soyons précis. Voilà, avant qu'il se blesse, donc vous pouvez vous attendre à des trucs. Et c'est triste parce que magnifique. On le voit plus tout ça maintenant. Mais si on voit, on le voit plus dunker parce qu'il est plus intelligent. Il veut plus s'éclater les genoux. Let's do this. Allez, on y va. Ah yeah! Le gars avait le... J'adorais le maillot, moi. C'est incroyable. Et le numéro 1, là. C'est la classe. Le hang time. Il a raté. Je sais pas pourquoi c'est un highlight, mais... Ça, c'est... Oh. Bloc. Les gens ne savent pas... Il y a un ressort dans ses pieds, là. Après, c'est subjectif, hein. Tu sais, les actions. Comment il s'appelait le centre des Pacers? On le voit plus, hein, il joue plus, je pense. Hibbert, Roy Hibbert. Ah, il joue plus. Ça, c'était laid comme maillot, par contre. Mais ils ont le bloc tous, est nice, mais le maillot... Ils ont tous des maillots verts comme ça pour le jour de... Noah qui joue plus. Ah, ça, c'était Scott Scalabrine. Il y a des mimes qui comment disent que... ça, c'est un gars de basket. Comment est-ce que ce gars joue au basket pas, mais, je sais pas, mais il y a des gens qui disaient qu'il avait dunké sur Derrick Rose. Ouais, c'est genre les mimes. Encore. Mais ce gars, c'était vraiment un athlète. Mais il est toujours... Un an, il a tout sorti. Mais bon, c'est sûr. Lui aussi, j'ai oublié son nom, mais... Why not, c'est man? Vieux, là. Why not? Lui, can... il a été vieux toute sa vie, le gars qui essaie de nous mettre Son speech super connu là. Why not? Why can't I be the MVP of the league? C'est le même gars, mais je t'ai dit, c'est le gars qui a genre 50 ans là, lui. Là. Non, c'est pas le même je gars. Si, c'est le même gars. Ah oui, ok. Aha. LeBron James. Ça c'était magnifique. J'ai vu ça live. Ben, oui. Tous les matchs de LeBron. C'est bon, sans jamais arriver à battre. Regarde ça, D-Wade et LeBron James, man. Ouais, parce qu'il croyait qu'il allait de à droite alors qu'il allait à gauche. Ça, c'est le dunk. Mais il c'est LeBron qui courait derrière. C'est pour ça qu'il nous met cette vidéo, juste parce qu'il y a LeBron. Encore. Ça, c'est le meilleur dunk. Dans sa face. C'est pas son dunk. Et ça, ce match, j'ai vu ça live. Je me rappelle, j'étais chez Stéphane, gars. Ah oui, contre Miami, man. C'était les playoffs. Il y avait une sorte de fête chez Stéphane. Moi, je m'en foutais. J'ai dit, je regarde le match. C'était une faute en plus. Boozer. Ah, ok, Lakers. Ah, la Kobe. Derrick Rose, too good, too strong, too fast.
In your face. C'est qui, c'est qui, Oden? Oden, le pauvre, le first round pick. Bah, 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 bah. Là, c'est à la Westbrook. Mais il a encore des moves comme là, ça. Là, c'est à la Westbrook. Ouais, mais il n'est pas aussi explosif. Je pense qu'il ne veut pas l'être. Non. Tu regardes Westbrook, je peux dire que tu veux l'être. Mais même Westbrook, il commence à se calmer. Oh là 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 là. And the spin cycle. Ça, LeBron James le fait trop souvent, oui. Man. Spin cycle. Comme ça, tu élimines le gars direct. Avec Joaquin. Hey, ils l'ont signé, il est avec les Grizzlies maintenant. Et il va pas jouer. Il a signé pour un an. C'était son move. Mais il le fait, c'est vrai qu'il le fait encore. Mm-hmm. Pas aussi. Il est pas aussi rapide. Hate. Non, mais il est pas aussi rapide, donc il peut pas faire la même chose. Hein? Hein? C'est Rondo. Tu vois toujours le up and under. Il a mangé. C'est Rondo. Qui est avec LeBron James. C'était une bête sauvage. Le fake. Ça, c'est la feinte. C'est la feinte. Encore Boston. Encore. Non, moi le dunk que j'ai en tête. C'est quel dunk? Non. Là où il, ses bras tapent le backboard. Ah, temps, c'est quand le faute. Gars, c'est quand le gars qui essaie de le en même temps, de, c'est une faute. Ouais, de le contrer là. Il met ça avec deux mains. Oh les. Ouais. Bah c'est ça, c'est à la Westbrook, man. Westbrook, c'est exactement le même speed. Mais bah oui, c'était, c'était Westbrook avant Westbrook. Damn, son. Tiens, je me demande ce qu'il pense quand il revoit ces vidéos. Je te dis, je te dis. Est-ce que tu as vu des vidéos de Zion? Ah, le non, mais je sais il que... Il fait peur, il fait peur. Damn. Damn! Je me rappelle même plus de celui-là. Aïe, aïe, aïe! Encore, oh, il abuse. Il abuse. Ok, si vous avez encore Kevin Durant. Mais c'est beau hein, quand, quand il dribble ce gars, c'est beau. Genre, LeBron James c'est le meilleur joueur, mais quand il dribble, je trouve pas ça beau. Lui là, il est blessé maintenant. Hé, hey, tu as vu Durant? Bah oui, je crois qu'il est encore là. Aïe! Oh. Il a effacé. Ouf. Effacé. Le gars est tombé, man. Vous êtes... Et ça, là. Le gars, le jump. Quand je pense que ce gars n'a même pas parlé dans la vraie vie, genre avec les médias et tout. C'est un Kawhi Leonard, mais c'est un point guard qui est arrivé à monter. Jusqu'au coude. Ouais, le coude au-dessus du panier. Bam! Sion! Magnifique. Voilà, c'est boom. Bra. Ouais, c'était quand Dragic, man. C'était quand Dragic. Il est toujours avec les hits? Ouais. Oh my goodness, oh mon dieu! Il a osé, man. Mais le gars est monté, hein. Il a tapé le backboard. Too good, too strong, too fast. Poor. Oui, injury, quoi. Mais les Bulls font honte maintenant, man. Ils devraient commencer à tank bientôt. Bon, ça, c'est parce que c'est à la fin. Yeah, two, two, two. Ah, c'est un 3 points, non? Buzzer beater? Oui. Ouais. Non, on dirait qu'on est arrivé au buzzer beater, bon. 3 points. Il va lui donner le ballon, et là, 3 points. Fini. Ah, c'était pour égaliser, hein, c'était pas pour gagner. Ouais. Hein. Non, mais le meilleur, c'est celui des playoffs où il a la frola et qu'ils le prennent comme ça, il est là jusqu'à... Non, il bouge pas. Il est... Non, mais si, ils sont en train de le faire bouger, ouais, tu mais vois. C'est ça, mais lui, il bouge pas. Il est comme ça.
Et j'ai vu ça, j'étais, j'étais dans un bar en train de regarder le match, mais c'était malade. Mais à la fin du camp, à la fin de... c'est toujours le même résultat. LeBron James. Ben c'est le match d'après que LeBron a mis à faire la chose. Ouais. Mais gars, c'est ma vidéo préférée. C'est juste dommage qu'il se soit blessé. Parce que mais non, mais déjà il méritait pas le MVP. Oh damn. Non, c'est vrai, man. Damn. Le gars dit que Derrick Rose n'a pas mérité son MVP. LeBron qui devrait avoir le MVP chaque année, mais il l'a pas. Ah, faut pas abuser. Non. Ah ça, j'ai vu ça live aussi, c'était trop nice. C'est le premier match de la saison. Premier match de la saison. For sure, il est encore là. Gasol est encore là. Ouais. Et Gasol a joué avec les Bulls aussi. Mm-hmm. Après, juste après. Et là, il est blessé. Hamilton. Gasol. Toujours. Tu sais que... toujours qu'il veut pleurer, Gasol. Et c'est que genre la moitié de l'équipe des Bulls est au Timberwolves maintenant. Ouais. Même Deng, Luol Deng, c'est un bencher. Ouais, mais il est chez nul. Les Wolves. Tout d'un coup, quand il a eu l'argent. Bof. Genre pourquoi tu mets ça, man? Mais c'était une équipe, man. Damn. Try good time. Toujours le teardrop. Mais je pense qu'ils ont donné le MVP aussi parce que c'était genre le seul vrai bon joueur de l'équipe. Il est arrivé à les mettre. Aiment le changement. Il est arrivé à les mettre en number one. L'année dernière, Westbrook a encore eu un triple double average. Oui, mais son équipe n'était pas en première position de la conférence. Là, c'était la première équipe. Même LeBron n'était pas, c'était pas son équipe qui était en première position. Mais il a chicoté après. Ouais, mais je veux dire, il a mérité son MVP, non. Man. Si, il l'a mérité. Le gars travaille dur. Chaque année, c'est qui le meilleur MVP? Ça veut plus dire ce que ça voulait dire. Ça veut juste pas dire ce que ça veut dire, tout court. Ah ouais, ça aussi, je l'ai vu live. Ouh. John Scalabrine. C'était contre. Ça, il a du mal. C'était contre. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du point guard là, des Bucks. Parce qu'il a joué en tant que backup point guard de Derrick Rose à un moment donné au Bulls. Il appelait aussi Willie Nourson. Let me step back and kiss myself. Il a eu du mal. Ouais, mais il l'a mis. Oh, Brewer, purée. Est-ce que c'était Zaza Pachulia qui jouait avec les box? Okay. Ils auraient pu en enlever certains, là. Ils auraient pu en enlever certains, ils auraient pu en mettre d'autres. Ouais. Mais oui. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Hein. Je suis pas d'accord avec toi. Le gars a mérité son MVP. Non, MVP, c'est le joueur... Most valuable player. Non, ça veut dire most valuable player. Oui, ce qui n'était pas. C'est-à-dire qui a plus d'influence en général, en tout, dans son équipe. Le gars qui fait le plus de travail dans l'équipe. Lui, c'est juste qu'il jouait seul, genre niveau assist. Ben non, parce que il peut y avoir un gars comme ça dans une équipe qui n'atteint pas les hauteurs désirées. Le plus de points, le plus d'assist, le plus de rebounds. Oui, mais ça peut exister dans une équipe qui n'est pas dans les hauteurs désirées, tu vois. Mais ils étaient combien, tiens? Premier! Ils étaient premiers de la conférence. Ah, ils étaient peut-être deuxième ou troisième. Il faut rechecker tout ça. Je te dis qu'il a mérité. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, oui. Moi, je te dis, man. LeBron. Chaque année, il peut l'avoir, LeBron. Il pourrait. Les gens veulent du changement, man. Il pourrait. Les gens du changement. Mais genre l'année passée. L'année passée, Westbrook pouvait l'avoir. T'es fou! Mais le gars est fou! James Harden, c'était clair et net. Le gars, ils étaient premiers de la conférence Ouest. Et le gars marquait genre un average de genre pratiquement 40 points. Gars, faut pas abuser. C'est-à-dire, sans James Harden, il n'aurait pas pu en arriver là. Si tu enlèves Westbrook, il serait arrivé où? Mais ils sont pas... Nulle part! Mais ils étaient quoi? Combien tiens? Cinquième, un truc comme ça? Tu peux être ce que tu veux, même. Non! Sans lui aussi, ils auraient fait quoi? Sans
sans comment il s'appelle, sans James Harden. Oui, mais Chris les Paul, résultats, il faut les résultats. Il y a Chris Paul, il y a Trevor Ariza. Non, ça veut dire c'est pas que le MVP est toujours dans la meilleure équipe. Ça devient plus MVP. Il faut les résultats. Non, non. Il faut les résultats que lui peut donner à l'équipe. Que sans lui, l'équipe, boom, down. LeBron a quitté Cleveland, ils sont combien de temps maintenant? Ah bah. Chaque année, il a quitté Miami, c'était combien de temps? Ça va. Ça va? Ils étaient pas au bottom. Mais c'était genre 8ème peut-être. Peut-être qu'ils n'ont même pas fait les playoffs. T'es 8ème, 7ème. Ouais, mais c'était pas aussi mauvais que genre Cleveland. C'est là, ça. Tu vois. Et James Harden cette année, ils sont quoi? Ils sont pourris, man. Oui, bah oui, cette année, ils le méritent pas. Mais à ton avis, à ton avis, jusqu'à maintenant, qui le mérite? LeBron. T'es sérieux, non? Chaque année, c'est LeBron. T'es sérieux, non? Chaque année, c'est LeBron. Les gens veulent du changement, okay, donc il faut donner à quelqu'un d'autre. Attends, cette année... Donc là, ils vont... Non, cette année, ils vont dire comment il s'appelle. Il y a des box. Antetokounmpo. Antetokounmpo, parce que les gens veulent du changement. Non, c'est possible qu'il donne... Quand c'est un beau gosse chaque année, il faut... Calme-toi, le gars est à LA. Faut pas négliger ça. Quand tu es dans un big market, c'est très probable qu'il te donne le MVP parce que les lumières sont sur toi. Il le mérite chaque année, man. Oui, mais cette année, parce que les Lakers étaient pourris, mais genre méchants. Mais toutes les équipes où il a été, ils étaient pourris. Non, man. Non, il y a une différence. À Cleveland, il a appelé une armée avec lui. Non. Ah, quand même. Kevin Love, Kyrie. Oui, mais il avait des gens avec Kevin lui. Love. Là, moi, j'aurais personne. Préféré que Kevin Love soit pas là. Donc, ne me dis pas d'armée. Il y avait lui, il y avait Kyrie qui était déjà là. Oui, mais quand même, il avait des backups. Il y avait des gars là, qui jouent. Qui jouent toujours des gars. Ah, des superstars qui étaient dans les c'est All-Stars. Kevin Love et Kyrie étaient avec lui. Je sais, mais en tant que superstar. Il était déjà là, Kyrie. Si tu veux me parler de ça avec Miami. C'est compréhensible qu'on lui donne pas le MVP quand il était à Cleveland. Mais là, à LA, il n'y a personne. Il y a juste lui. C'est pour ça que là, je dis oui. Je dis oh, oui. Là, je dis oui. On va voir. Donc c'est ça, qu'est-ce que les gens en pensent même. C'est ça, vous nous dites dans les commentaires. Et j'aimerais aussi vous dire que Derrick Rose, cette année, eh bien il joue encore. Il joue bien, il est revenu. Il est en train de marquer 19 points de moyenne par match. C'est incroyable. Mais oui. Non. Et il est en train de jouer en tant que backup, c'est-à-dire qu'il est remplaçant. Il rentre du bench. C'est de la folie. Et il a marqué 51 points. Allez regarder les highlights de ça. C'était magnifique. Sans lui, il n'aurait pas pu gagner. Le gars, il a bloqué le dernier jeu. Non, mais quand même. Tu dois avouer toi-même, que c'est quelque chose de beau à voir. Ouais, mais voilà quoi. Ni plus ni moins. Tu peux pas le comparer à Monsieur LeBron. Moi, je regarde. Con. Ben oui. Bon, en tous les cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était plus fort que nous. Fallait qu'on en débatte un tout petit peu. Mais si ça vous a plu, bah croyez-moi qu'il y en aura un peu plus. Hein, parce qu'on peut parler de basket pendant des heures des heures. C'est pas, tu sais, on n'est pas les gars qui connaissent les statistiques genre par cœur et tout. Ah, si tu veux que je les sorte avant de venir, moi je les sors. Mais on est passionnés et je pense que vous pouvez le ressentir à travers votre écran là. Donc si ça vous plaît, vous nous le dites dans les commentaires et on vous en donne plus. Donc nous on vous dit à la prochaine. Prêt à la faire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Peace out. Hey yo, toi là, derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment?